Voilà, donc c'est ça mon projet. Bon, évidemment, bah, c'est que le début là. Et c'est quoi? C'est un champ de bâton? Alors ça, monsieur le grand, ça représente l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, statistique intéressante, 10%, en fait, c'est la moitié des émissions de CO2. Vous les sortez d'où vos chiffres là? Vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas donné de réponse. Vous ne parlez plus. Je m'appelle Yannick Perrin, je vis dans la forêt, et ça, c'est chez moi. Il y a 5 ans, je me baladais avec Bernie, on avait envie de piquer une petite tête dans l'étang de Merdon. Et une semaine plus tard, il était mort d'empoisonnement lié à la qualité de la flotte, quoi. C'était un bon petit. Yannick, c'est juste un chien. Mais c'était un putain de chien. Bien meilleur que la plupart des êtres humains sur cette planète. T'as d'autres questions, Camille, peut-être? Tiens, bah, voilà. Typique, venez voir, regardez. Voilà. Voilà. Ils ont inventé ce truc-là juste pour que ce soit plus écolo et en fait, on en retrouve partout dans la flotte, quoi. Super. Après cette mésaventure avec Bernie, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bah, suite à ça, j'ai intenté un procès contre l'usine qui était responsable. J'ai perdu, ils m'ont tout pris, ils m'ont lessivé. Voilà, donc. J'ai bien compris que la justice n'avait pas l'intention d'agir. Allez, on y va. Lui, il était là avant nous et il sera là après nous. Il n'y en a rien à foutre de Twitter et Facebook et toutes vos conneries là. Venez par là. Et la politique, c'est la même merde. Mais non, mais je peux pas te laisser dire ça, Yannick. On a foutu votre Nicolas Hulot là. Nicolas Hulot? Connais pas. Connais plus Nicolas Hulot. C'est un vendu. Ils sont pas prêts pour prendre la bonne décision. Pour Yannick, c'est sympa, hein, t'as des belles phrases comme ça, mais toi, tu fais quoi pour les autres? Moi, hein, j'ai une idée, mais je pense que vous êtes pas prêts. C'est-à-dire? À votre avis, c'est quoi la plus grande menace pour l'homme? Je sais pas. Les sacs plastiques? C'est l'homme. Et je pense que l'homme mérite de mourir. C'est ça mon idée. Vous venez? Ouais, du coup, Quentin, là, quoi? Le mec a des idées cheloues, là. Ça commence à devenir flippant, donc. Enfin, c'est dangereux, en fait, on remballe. On se casse. Mais justement, c'est parfait! Regarde-le, là, il nous fait son laïus sur il faut sauver la Terre et tout. Mais il se décrédibilise tout seul! Mais il nous menace! Mais oh, ça va! Toi, qu'est-ce que t'en penses, Gaëtan? Je m'en fous, tant que je suis payé. Voilà! Pollution sonore. C'est pas juste une histoire de chien. On est tous contaminés. On est tous pourris, là. Vous pensez que je suis peut-être un peu extrême ou... Excusez-moi, vous allez me prendre pour un gars un peu radical. En même temps, il faut ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Yannick, peut-être qu'on peut. Ah.